Putain, c'est chaud. Les filles, c'est bientôt prêt! Ça n'a pas d'allure le nombre d'affaires qui fait tomber à terre ce chien-là. Des fois, j'ai l'impression qu'il essaye de nous dire quelque chose. De bouger vos gros culs et de mettre la table, bande de feignasses. Gros cul, hein? Moi, c'est Audrey. Ma vie est parfaite. Un appart sublime, une coloc géniale, un chien trop mignon et surtout, mon boss qui me promet la place de numéro 2 de sa boîte. Non, ok, si je suis vraiment honnête, ma coloc est une malade mentale, mon chien je suis sûre qu'il parle mais je peux pas le prouver et mon boss est un sadique qui déteste les Québécois. Ce qui ne serait pas un problème si je ne cachais pas au monde entier que je suis une fucking Québécoise. Mon pire cauchemar serait que ma meilleure amie du Québec débarque à l'improviste. Et ben voilà, c'est la première chose qui va se passer dans cette série. Non mais vous pensez que j'ai fait mon possible pour équilibrer les comptes, hein. Mais la conclusion reste la même, Christophe et moi en avons parlé, il faut qu'on se sépare d'un de nos employés. Et c'est vous deux, parce que vous êtes nuls et vous êtes chiants. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes sérieux? Je plaisante. C'est Michael qui a les pires résultats. Michael est le beau gosse, ça? Oh, il l'a eu! Il l'a eu! Il a eu la plus grosse! Mais on peut pas le mettre à la porte, tout le monde l'adore au bureau. Même le poisson rouge, l'entrée est amoureux de lui. Je l'aime, je suis sûr. C'est ça où on va devoir se séparer de la machine à grappin et là Christophe il s'en remettra pas. Michael du coup. Oh bah non. Il faut que quelqu'un se dévoue pour lui annoncer, ce sera vous Audrey. Mais pourquoi moi? Mais parce que tout le monde est amoureux de Michael ici. Et quand vous êtes frigide, bah ça tombe sous le sens. Je ne suis pas frigide. Je m'interdis juste d'avoir des relations dans le travail. Et vous allez me dire que Louis est aussi amoureux de Michael? C'est de la soie ça, non? Mm-hmm. Et ça c'est de la soie. Mm. Allez, vous allez me régler ça avant la fin de la semaine, hein? Sinon, vous êtes la prochaine sur la liste. C'est vrai qu'il est beau. Aïe, aïe, tu branles dans le manche? Pardon? J'ai dit, tu branles dans le manche? Non, mais ça va pas, non, je branle rien, moi. Elle est folle, celle-là. Bon, tu fais fuir les clients maintenant? Ben, je comprends pas, là. Je voulais juste être gentille, prendre sa commande. Lani, t'as dit branle dans le manche. Ouais, pis? Écoute, t'es pas au Québec si là, les codes sont différents, mettons. Ah, les codes? Hein, comme le morse. Non, pas du tout comme le morse. Mais si tu veux, à ta pause tantôt, je pourrais te montrer 2-3 codes. OK. Cool. On a reçu un appel de détresse en morse. Tout va bien? Ah, oui, c'est moi, je m'excuse. J'ai frappé sur le comptoir. Désolé. C'est pas vrai, c'est la troisième fois aujourd'hui. Merci. Rendez-moi un kirkassis pour la peine. OK. C'est beau aujourd'hui, non? Ouais, faut se courir un peu quand même. Ça va, Ben? Je suis un petit peu tendu, là. Non, ça va très bien. Très bien. Je gère la situation de A à Z. Pas de souci. Mmh. C'est un peu pour ça que je voulais vous voir aujourd'hui. Faut arrêter toutes ces histoires, là, les Québécois, tout ça. Mais arrêtez quoi? Je suis sur le coup, là. Mais quel coup, là? Les Québécois sont inoffensifs. Inoffensifs, les Québécois? Et quand ils ont remplacé nos réserves d'eau par du sirop d'érable? Bon, bah, je vais aller reprendre une douche. C'est la 8e fois aujourd'hui, hein. Oh, mais arrêtez, c'était très bon. D'accord. C'est les feuilles d'arbre. Coupé en forme de feuille d'érable. C'est des blagues d'ado. Eh ben moi, ça m'a troublé. Bon, maintenant, vous allez vous calmer, Ben. Hein? On arrête tout. Hein? Les Québécois, vos recherches, votre parano, il n'y a pas de cellules terroristes et il n'y en aura jamais. OK? Vous n'avez pas une vue d'ensemble, c'est ça le problème. Eh Ben, vous êtes la risée du service. D'accord. Pas de problème. Je vous rends ma carte. Je fais cavalier seul, il n'y a pas de soucis. Tenez-vous. Arrêtez de con, là, comme ça, là. Rangez-moi ça. Je me file jusqu'à la fin du mois pour me prouver que c'est les pires ordures de la Terre. Passez ce délai, je vous lâche. C'est clair? Clair, clair. Mais oui, c'est clair. Oh, c'est ma filleule! Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tonton! Fait plaisir de te voir. Bah oui, moi aussi. Ben, Claire. Bonjour. Mais comment tu vas? Bah bien.
Michaela, je dois vraiment vous parler de vos résultats. Ah bon? C'est pas bien ces résultats. Et on va pas pouvoir vous garder. Et puis je suis désolée. Et c'est comme ça. Et puis c'est tout. Vous me parliez? C'est super. Merci. Je voulais vous parler de... Oui, Audrey. Oh, vous connaissez mon prénom? Oui. Je voulais vous parler de votre... De mon... De vos... De votre swing? Non. Mais vous savez, le swing, c'est avant tout de bons abdos. Mon Dieu, on dirait qu'ils sont en terre cuite. J'ai envie d'en manger, hein. Regardez, il en a neuf. Il y a même le Gégère Corquet là. Absolument. Record battu. Ok, mais si tu t'adaptes pas, tu vas vivre des échecs, des humiliations, les pires moqueries. Mais moi, je sais pas comment m'adapter ici. Ah, mais c'est pour ça qu'il faut que tu joues leur game. 1. Être arrogant. 2. Condescendant. 3. Je l'ai jamais trouvé. 4. Monsieur, je sais tout. Ouais. Ça fait beaucoup, hein? Mais tu vas voir. Un jour, ça va devenir naturel, puis tu vas devenir une belle petite Française parfaite. On va pratiquer? Ouais, OK. OK, fais-le à ta manière. Commence par lui. Hey, salut! Serais-tu assez gentil pour montrer c'est quoi le bon chemin? Ah, c'est excellent, l'accent. C'est excellent, c'est très, très bien. Mais non, tu vas pas le faire. OK, maintenant, je vais faire la Française. Hey, toi! T'es moche. Wow. Ouais, t'as compris? OK. On continue? Oui, Marie-Claude, oui. Je peux peut-être vous aider pour Michael. Je crois pas. Ce mec est une machine. Écoutez, je devrais peut-être pas vous le dire, mais j'ai mon petit succès avec les hommes. Jason Statham. Jason Statham. Le Jason Statham, oui. C'était entre le transporteur 2 et 3. Il n'était pas dans son assiette. Enfin bon, bref. Je peux peut-être vous aider. Le beau gosse est fort, mais il a lui aussi ses faiblesses. Et il existe un seul moment où il baisse sa garde. C'est pendant 2 minutes, juste après avoir joui. Pendant ces 2 minutes, il fait une grimace très bizarre et très très laide. Il ne rend plus du tout séduisant, vous voyez? C'est sa kryptonite à lui. Je ne vous demanderai pas comment vous savez ça. Parce qu'il m'a baisé? Non, mais j'avais... Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas coucher avec quelqu'un du bureau. C'est le seul moyen. Il y a d'autres moyens pour virer des gens, c'est sûr. Oh, le problème, c'est que je n'arrive pas à lui parler dans l'open space. Donc dites-lui de venir dans le bureau du comptable, voilà. On sera au calme tous les deux et peut-être que là, j'arriverai à le renvoyer. Mais voilà, faites ça pour moi. Vous pouvez toujours essayer, ça ne marchera jamais. Je l'ai eu dans ma bouche, moi, je sais. Mais Marie-Claude. Je vais lui dire de venir vous voir au bureau. Merci, Marie-Claude. Vous me remercierez quand ces magnifiques testicules se poseront sur votre nez. Wow. Pardon. Stop. Pardon. Désolée, c'est... Je vais l'appeler. Tu continues, là-bas, vite, tu tournes tout de suite à gauche, puis après, tu... J'ai pas le temps, là! Tu me saoules! Oh!
grâce à toi, je vais pouvoir rencontrer des Français. De rien, hein. Entre Québécois, faut s'aider. On y va? Ouais. OK. Se faire passer pour des Français, technique typique des cellules dormantes. Over. Entrez. Oui, vous pouvez entrer. C'était la 7e de Beethoven. Ah. J'adore la grande musique. Alors, vous vouliez me parler? Oui, je voulais vous parler de... Vous êtes vos... sûr que vous ne vouliez pas plutôt me parler de magie? Oh. J'avais ça derrière l'oreille. Dis donc, c'est vous qui sentez bon comme ça? C'est possible, oui. Alors, vous vouliez me parler de quoi? De vos résultats. Ah, mes voilà. Résultats? Oui. Et ils sont bons? C'est-à-dire que... Comme ce magnifique éclair au chocolat sur lequel j'étais assis. Alors, dites-moi. Oui, voilà, je... Oui, voilà, je... Je veux coucher avec vous. Je veux coucher avec vous. Je veux coucher avec vous. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Mais nos problèmes, oh. Je m'apprenne du rythme. Non, je peux pas faire ça, je peux pas. Oh non, mais fais-le pour le travail. Oui, c'est le seul moyen de prendre du plaisir, petite traînée. Riclon, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis un peu télépathe aussi. Non, mais sortez de ma tête! Regardez son gros paco, on dirait une fête foraine dans un slip. Youpi! Génial! Oh mon Dieu, c'est vrai. Pensez à faire jouir et vous pourrez le virer. Oui, bon, c'est bon. Allez, vous sors maintenant. D'accord. Allez, toi, baise-moi maintenant. No problemo. Je jouis. Ce qu'il est laid. Michael, la boîte est au plus mal. On va devoir se séparer d'un de nos employés. Il se trouve que c'est vous qui avez les pires résultats. T'es viré, Michael. Voilà, t'es viré, je l'ai dit. T'es le pire vendeur de plaquettes de l'histoire. T'es viré. Ah. Si pour vous les chiffres sont importants... Non, mais c'est pas contre vous. Je suis désolée. C'est pas grave, c'est la vie. Venons, on va faire quelques étirements. C'est important après l'effort. Ah ? Allez, 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 allez. Voilà. Excusez-moi, vous avez quoi comme jus de fruits ? Eh ben, vous savez pas lire la carte. Madame a du caractère. J'aime bien ça. Je peux avoir votre numéro ? Tout va bien ? Si, si. J'ai dû manger un truc qui n'est pas passé. Excusez-moi. Ça va, Mélanie? Non, ça va pas. J'arrête pas de péter, c'est pas normal. Oui, c'est normal. C'est ton corps qui refuse ta métamorphose. Il digère pas le fait que tu sois méchante. Mais on est tous passés par là, hein. Ça va finir par s'en aller. Sauf de Shadow, qui s'est retenu pendant un an. Puis un jour, ça finit par péter. Non, mais attends, là. Je vais péter comme ça pendant combien de temps? Mais tu sais, ça peut durer des années, hein. De temps en temps, j'en lâche encore un petit, moi. Mais c'est à toi de choisir. Soit tu te forces à t'intégrer, soit tu restes toi-même. Pourquoi t'es ému, là? Je suis pas ému, là. C'est juste que ça me brûle les yeux. Ah, excuse. Désolée. Thank you.
C'est depuis le départ du beau gosse. Tout le monde est resté au bureau. Regardez les fleurs. Elles sont de ce matin. Mes petits loulous. Mes petits loulous. C'est pas du tout comme lui. Personne peut le remplacer. Même le poisson rouge a tenté de se suicider avec la petite échelle décorative. J'ai vraiment failli le faire. Quelle connerie. Ah, voilà, voilà, celle-ci. Elle est contente? C'est lui qui m'a dit... Bon, ça m'étonnerait, je suis pas habilité à prendre ce genre de décision. Hein. Désolé. Je vous préviens, Audrey. Il va falloir trouver une solution. Faites-le revenir. Sinon, vous êtes viré. Ouais, je suis désolé. Hein. C'était de l'autodéfense. Ouais. Non, mais vous avez bien fait de le virer. Oh, vous inquiétez pas, ça va aller. Hein. Vous avez juste à le réengager. Hein. Et vite, hein, parce que là, ça commence à partir en couille. Il vous a fait un truc, le checker? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est pas grave, laissez tomber. C'est pas... Bon, alors, je vous sers un truc à boire ou vous comptez rester ici sans consommer? Allez, prenez votre teint, le... On n'est pas pressé. Eh ben, je vais prendre un petit mojito. J'adore la menthe. Parlant de menthe, vous y connaissez, vous, en explosif? Mais qu'est-ce que c'est que cette question idiote? Bah comme ça, je sais pas, ça m'intéressait. Voilà, de savoir si vous aviez un hobby ou... J'aime beaucoup chanter. Oui, c'est ça. Ça me permet de tuer le temps. À propos de tuer le temps, j'ai un jeu assez marrant à vous proposer. Regardez, je vous montre trois photos d'acteurs. Mm-hmm. Et puis vous me dites ce que vous en pensez. Il est acteur, lui? Oui, il a joué dans Zero Dark Thirty il y a pas longtemps. Lequel vous préférez? J'aime beaucoup George Clooney. En fait, c'est un peu mon rêve, dans le fond, d'aider les gens comme lui. Un vrai rêve de terroriste. Bon, ben moi, je vais y aller. Hein? Plus de mojito? Non, merci. C'était vraiment un très bon moment que j'ai passé avec vous. Puis en plus, ça me fait plus péter. Péter. Il y a donc bien une bombe en préparation. Eric! Oui? T'as-tu vu ça? C'est un Français. J'y ai parlé normalement, puis j'ai arrêté de péter. Il était temps, j'ai encore le goût dans la bouche. C'est ça, là, ça veut dire que je peux rester comme je suis. Je suis pas obligée de changer. Il faut juste que je rencontre le bon monde. Okay. Merci quand même de m'avoir aidé cet après-midi. Hein. Oh. Rien. Cette scène était sponsorisée par l'île de Papété. Bienvenue à Papété. Mmh. Oh, on avait dit Papété. Michael. Ici, c'est Mikouche. Qu'est-ce que tu fais là, Audrey? Tu m'as fait suivre? Tu as laissé l'adresse sur ton répondeur. Ah oui, c'est vrai. Ici, j'ai perdu toute notion de la vie réelle et du temps. D'ailleurs, on ne s'est pas vu depuis quand? Tes cheveux ont poussé? Hier. J'ai pris beaucoup de recul depuis hier. J'ai changé de vie. Je suis devenu directeur artistique d'une troupe de mimes amateurs. Je vis enfin mon rêve. Je suis venue te voir pour te proposer de revenir au bureau. C'était une erreur et je suis absolument désolée de ce qui s'est passé. Écoute Audrey, par respect pour mes amis, je vais te demander de t'exprimer en langage universel du corps. En mime? Ah non, Michael. Ah, je ne t'entends plus. Les gars, 30 000, c'est beaucoup, hein. D'accord, mais on passe chez moi avant. Pour Mickaël et Pipi. Bon, excusez-moi, un peu de silence, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais qu'on remercie Michael
d'être revenu parmi nous. Et surtout, j'espère que ce malentendu sera très vite oublié. Ouais, et je tenais à faire mon petit mea culpa aussi. Je m'étais trompé sur les chiffres, la société va bien. On peut garder la machine à grappin. Ouais, okay. C'est pas vrai du tout hein, ce que je viens de dire, les chiffres sont très mauvais. Pour vous dire, j'ai même dû réinjecter de l'argent que j'avais détourné. Bah vous inquiétez pas, j'ai assuré mes arrières. Acapulco. J'ai entendu dire Acapulco. Pina colada pour tout le monde. Ouais. Vous l'avez sucé pour qu'il revienne? Mais ça va pas, non. Oui, je l'ai fait. Vous avez senti ce goût d'orange amer et d'écorce d'arbre en vous? Un gros cigare Cuba. J'ai entendu parler de Cuba. Mojito pour tout le monde! Ouais! Bon, allez, moi je me lance. La mission vient de rentrer en phase 2. Je suis entré en contact direct avec l'une des terroristes et j'ai suivi jusqu'à chez elle. Maintenant, je vais la faire tomber amoureuse de moi jusqu'à ce qu'elle me livre tous ses secrets. Over. Je suis votre voisin et je viens de me présenter. Voilà, je m'appelle Benjamin. Ben. Enchantée, Audrey. Et vous habitez quel étage? Là-bas. Le local poubelle? Oui. Ils ont tout refait, un studio 2014, la crise du logement. Ils ont été obligés, ils ont fait un truc. Nickel. Voilà. Eh ben, bienvenue. Ben. Ah, vous souvenez de mon prénom? Vous venez de me le dire. Eh oui. Eh ben, bienvenue. Enfin, bravo. À très vite. Audrey. Ah oui, c'est bon. Au revoir. La mission s'avère beaucoup plus complexe que prévu. Je vais devoir habiter dans un local poubelle. À mon avis, ça sent très mauvais. Mais je serai au cœur des opérations. En fait, c'est une très bonne nouvelle pour la mission. Je crois que je viens de tomber très amoureux de cette Audrey. Over.